les pichas! Vous allez bien? Aujourd'hui, on va terminer l'ouverture du coffret Pokémon Go de Dresseur avec Spark de la team Intuition. Vous connaissez Spark? C'est l'un des trois assistants du professeur Willow. Avec Candela et Blanche. Comme je vous l'ai dit, Spark est le capitaine de l'équipe Intuition, qui est jaune, dont le symbole est Elector. Spark pense que les Pokémon sont des créatures ayant énormément d'intuition et que leur intuition dépend de leur manière d'éclore. Mais avant d'ouvrir le coffret, je vais vous parler du Pokémon Go Plus. Pour l'activer, il faut aller dans Options. Sur Pokémon Go Plus, il faut activer le Bluetooth et pour que ça marche, il faut appuyer sur ce bouton. Une fois que vous avez fait ça, l'icône du Pokémon Go Plus va apparaître en dessous de la boussole en haut à droite de l'écran. Attention de bien être sur Internet. Le premier intérêt du Pokémon Go Plus est qu'il peut attraper les Pokémon avant même que les autres joueurs ne le voient. Donc, vous pouvez être le premier à avoir attrapé ce Pokémon. Dans les options, on peut choisir le Pokéstop uniquement ou le Pokéstop et la capture. Le deuxième intérêt du Pokémon Go Plus est qu'il attrape les Pokémon les moins importants pendant que vous les attaquez aux Pokémon super géniaux comme par exemple les Shiny. Le troisième intérêt est que dans les combats d'arène qui peuvent durer 15 minutes, le Pokémon Go Plus tourne le photodisque des Pokéstop toutes les 5 minutes et attrape les Pokémon. Donc ça fait du temps à gagner. Le quatrième intérêt est que quand vous êtes assis dans un bus ou dans une voiture et que ça va vite, vous n'avez pas le temps de tourner le photodisque des Pokéstop et d'attraper les Pokémon. Donc, le Pokémon Go Plus le fait à votre place plus rapidement. Mais attention les Pichu, le Pokémon Go Plus n'effectue que des lancers droits. Donc il ne peut pas faire des jolis, ni des super, ni des excellents. Et en plus, Pokémon Go Plus n'utilise que des Pokéballs. Donc si vous n'en avez pas, il ne lancera rien. Même si vous avez un max de Super Ball et d'Hyper Ball. Allez les Pichu, maintenant je vais vous parler des voyants. S'ils trouvent un Pokémon, ils clignotent vert avec une vibration longue. Il faut appuyer sur le bouton pour que ça marche. Après, ils clignotent en blanc 3 fois. Si jamais ils ratent, c'est rouge, et si jamais il réussit, c'est multicolore. Si jamais ça clignote 2 fois en bleu, avec une vibration qui fait top top, ça veut dire qu'il a trouvé un Pokéstop. Et même quand vous quittez l'application, ou que votre téléphone est en veille, le Pokémon Go Plus continue à marcher pendant plusieurs heures, et il continue à vibrer. Et maintenant les Pichu, je vais vous parler de la Pokéball Plus. Il suffit d'aller sur le menu et de chercher Pokéball Plus et de mettre le Bluetooth. Comme le bracelet, la Pokéball Plus clignote en vert si elle trouve un Pokémon et en bleu si elle trouve un Pokéstop. Et pour que ça marche, il suffit d'appuyer sur un bouton rouge au-dessus de la Pokéball. Si elle rate, ça clignote en rouge. Si elle réussit, ça clignote de toutes les couleurs. Allez Pichu, passons sur le plateau pour voir ce que nous réserve ce coffret. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin. Car en bonus, on va ouvrir des boosters japonais. Allez Pichu, on passe sur ce super coffret de Spark. Ça veut dire étincelle en anglais. Équipe Intuition de Pokémon Go au JCC Pokémon. Il n'y a rien de mieux que d'explorer le monde aux côtés de ses coéquipiers. Montrez fièrement aux autres dresseurs l'équipe dont vous faites partie avec le magnifique pins de l'équipe Intuition de cette collection. Vous retrouverez Spark à la tête de l'équipe Intuition en tant que carte supporter vous permettant de piocher des cartes et de mettre de l'énergie en jeu, ainsi que plusieurs boosters de l'extension spéciale Pokémon Go.
Ça, c'est Spark sur le Hector. Et là, on voit bien là, le Hector. Vous avez vu le fond du coffret, c'est joli avec les arbres et la prairie. Allez, on est en train de l'ouvrir, c'est trop cool. Alors, oh et donc elle est jolie la carte de Spark, hein. Vous avez vu avec la Pokéball dans la main là, avec son truc de Hector. Ouais, sympa. Et c'est une promo qu'on remarque avec une étoile avec marqué promo. Promo, ça veut dire, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, qu'on peut l'avoir que dans les coffrets ou les Pokébox. Ça, c'est le Pins avec Hector. Il est super beau ce Pins, hein. Vous trouvez pas? Allez, on va ouvrir les boosters. Allez, on commence. Croisons les doigts pour avoir plein de cartes ultra rares, les pichous. Allez, Spark, porte-nous chance. Sinon, tu seras privé de dessert, Spark. Énergie, psy. Le Vénaro, il est trop mignon avec son œuf. Capitaine d'équipe Spark. Bah, tout à l'heure, on l'a eu en foulard. Ça veut dire qu'on voit dans toute l'image. Et là, on a en half art. Ça veut dire qu'on voit que dans une partie de la carte. Migalos! Cap humain! Avec sa petite main! Bulbizarre! Il est trop mignon! J'adore ce Pokémon Bulbizarre! Poichijon! Magikarp! Meltan qui danse! Wouh! Bulbizarre River, c'est. Noix de coco de laver, mais donc, premier booster, première ultra rare. Moi, je pense que quand on est dans le premier booster, une ultra rare, ça veut dire qu'on aura de la chance. Ouais, il a allongement et tête ballante. Je sais pas si vous avez vu, mais sur le booster, il y a le professeur Willow. Énergie, feu! Le Vénard, Steelix. Vous avez vu ces grosses dents là? Xatu, Evoli, Chamallow, Ratatak d'Alola. Vous avez vu les grosses joues qu'il a? On dirait des billes. Colombo, Bulbizarre. Il a Trancherbe qui fait du 20 et Fouillane du 10. Capitaine des Spark Reverse. On l'a eu en normal et là on l'a en reverse. Et Tortank holographique. Il a source de vitalité en talent. Et Hydrocanon, ça fait du 90+. Regardez-moi le beau booster.
2, 3, 4. Énergie plante comme bulle bizarre. Flagados. C'est les rocs. Une lune à côté de la lune d'ailleurs. Air bizarre, l'évolution de bulle bizarre. En dessous du Pokéstop. Dis coucou les amis. Chamallow qui dort. Cratac-tac d'Alola. Colombo. Ambrilex. Oh, Natus sur sa dresseuse. Oh, Torton Cradieux, regardez. Il a cou gonflé et canot torrentiel qui fait du 170. C'est une ultra rare qu'on remarque avec une étoile brillante en bas de la carte. Donc, on a eu de la chance, hein. Vous avez vu, il y a de l'eau un peu jaune derrière lui. Oh, elle est super cette carte. J'aimerais trop avoir tous les radieux. Ça commence bien. En plus, on a eu un beau Tortank là. Et Nymphalie holographique, la cadeau souvenir. Et Flash merveilleux qui fait du 90+. Donc on a beaucoup de chance là. Surtout que c'est pas tous les jours qu'on a des Pokémon radieux. Surtout des beaux tortons comme ça. Un, deux, trois et quatre. Énergie. Oh! Reptincelle. Moduleur. Migalos, on dirait qu'il fait du trampoline sur la toile d'araignée. Pois chijon. Bulle bizarre. Carapuce. Il évolue en Carabaf qui évolue en Tortank. Conotor. Donc la mer a l'air agitée, hein. Onyx. Il a une attaque qui fait du 50 fois. C'est frappe acharnée. Bam 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 bam. Xatu Reverse. Il a 11 ciblés. Contrôleur d'esprit. Et Dracaufeu holographique qui a bout de feu qui fait du 170 et feu éclatant talent. Allez, l'avant-dernier booster, les bichous. Énergie métal comme Duralugon. Moduleur. Reptincelle, l'évolution de Salamèche. Infect. Pikachu. Pas avec son vaisseau, il dit coucou, c'est moi. Mimigal. Ratata d'Alola. Lui, il a des petites joues contrairement à son évolution. Kenotor. Salamèche. Ramolos Reverse. Et Sarmouraille holographique. La tranche qui fait du sang et escarmouche du 20+. Ça, c'est le signe de Pokémon Go. Joli, hein. Holographique, c'est-à-dire que ça brille à l'intérieur du dessin. Et Reverse, c'est-à-dire que ça brille autour. Allez, dernier booster, les Pichous. V-Star. Vous avez vu, c'est en or, Star.
incubateur de... Solarock. Capitaine d'équipe Spark. Castorno. C'est bizarre, c'est qu'il y a Colorure devant. Et Castorno, il est derrière. Meltan. Magikarp. C'est une carte magique qui fait que de sauter. Quand il est hors de l'eau, bien sûr. Capumain. Salamèche, il y a que en feu qui fait du 10. Moduleur River, c'est Melmetal holographique. Il y a coup de boule qui fait du 60 et frappe déchaînée du 30+. Et c'est 30+90. Allez les pichous, on passe sur le bonus. On ouvre les boosters japonais, les pichos. Ikimashō. Dans les boosters japonais, il y a 6 cartes. Donc on en enlève qu'une pour avoir énergie. Oh, holographique. Elle est énergie holographique. Camerupt. Pikachu. Incubateur 2. Reptensei. Et un super joli Tyrannosif holographique. Il a une attaque qui fait du 180 et l'autre du 10 fois. Et vous avez vu que quand les cartes elles sont holographiques au Japon, ça brille aussi sur le tour qui est gris. Et vous avez vu, il y a R en bas, ça veut dire rare. Et quand c'est une ultra rare, il y a RR, donc ça fait double rare quoi. Et quand c'est une ultra, enfin genre par exemple le V c'est deux fois rare, et ben par exemple Vmax ce sera, il y aura 3 R. Quand c'est des secrètes, il y a marqué SR, secrète rare. Donc, du coup, secret rare. Allez, deuxième booster, les pichous. Énergie feu. Sauf Kipou. Capidextre. Voilà, il est à l'endroit, mais pas pour la carte. Oh, Ratatouille d'Alola avec ses grosses joues. C'est marrant ce Pokémon. Moduleur. Oh, Melmetal V. Vous avez vu, il est joli, il brille. Il attaque qui fait du 140 et l'autre de 50. Comme je vous l'ai dit, c'est une double rare. Enfin, il y a marqué RR. En anglais, double rare. Donc, c'est cool ça. Allez, avant-dernier booster. Énergie électrique. Migalos qui se balance sur une toile d'araignée. Evoli. Ramoulos. Infect. Et Florizarre holographique. Il y a une attaque qui fait du 130. Xélian la fibou. Et dernier booster. Croisons les doigts pour avoir encore une ultra rare.
énergie ténèbre. Ratata Talola Evoli. Carabaf donne des gros coups de paf avec sa queue. Tchoum tchoum. Gros de paf. Capitaine d'équipe Spark. Mais donc là, on aura en toutes les formes, en japonais, en full art, en half art, en reverse. Et Léviator holographique qui attaque du 130. Vous avez vu, il sort ce jeu-là. Il est marrant. Il est à côté d'un banc, il est sorti de l'eau. Allez, on passe sur le récap. Go, go, go! Allez les pichos, on passe sur le récap. Go, go, go! Ça, c'est Ramolos Rivers, il a ne bougez pas. Et bonne pêche, c'est sûr qu'avec sa queue, il va faire une bonne pêche. Xatu, il est mystérieux avec la brume. Il a une ciblée et contrôleur d'esprit. Bulle bizarre, il a foyenne qui fait du 10 et tranchère du 20. Moduleur. Énergie électrique holographique. Énergie feu holographique. Elles sont belles les énergies japonaises. Énergie holographique. Énergie ténèbre holographique. Tyrannosuf holographique. Vous avez vu, il a une attaque qui fait du 180 et l'autre du 10 fois. C'est fort. Florizarre holographique. Une attaque qui fait du 130. Hein. Vous avez vu? Sur les cartes japonaises holographiques, ça brille aussi sur le tour du dessin. Sur le tour de la carte. Léviator holographique. Vous avez vu? Il a une attaque qui fait du 230. C'est fort, hein? En plus, il bat même Melmetal V qui a 220 PV, qui attaque de 50 et qui attaque aussi de 140 avec son gros poing. Pouah! Il est fort, hein? Capitaine d'équipe Spark Rivers! Tortank radieux! Il est super beau! Vous avez vu l'eau jaune qui est autour de lui? Il a canon torrentiel qui fait du 170! Gros canon! Et il a en talent coup gonflé! Il est joli, hein? En plus, il est rugueux partout. Melmetal holographique. Il a coup de boule qui fait du 60 et frappe déchaînée qui fait du 30 plus. Il est ensemble, hein, puisqu'en même temps, c'est le même Pokémon. Je préfère quand même celui-là. Mais il est joli aussi. Hein. Lui, il est en full art, ça veut dire qu'on le voit dans toute la carte. Et lui, en half art, ça veut dire qu'on le voit que dans la moitié. Parce que en anglais, half égale la moitié. Nymphali holographique. Il a flash merveilleux qui fait du 90+. Et il a aussi cadeau souvenir. C'est mignon, regardez la petite feuille avec une fleur. Sarmouraï. La tranche qui fait du 100. Chou. Et escarmouche du 20+. Dracofeu holographique. Il a poutefeu qui fait du 170. Et feu éclatant, c'est son talent. Tortank holographique, il a source de vitalité. Et hydrocanon qui fait du 90+. Capitaine d'équipe Spark. Vous avez vu son petit collier avec Elector? Regardez, il a une Pokéball dans les mains, il est joli, hein? Et noix de coco d'Alola V, où on voit ça, une petite tête sur sa queue avec deux feuilles. Il a tête ballante et allongement. Et si noix de coco vous intéresse, j'ai tourné le deck de combat de noix de coco d'Alola à Noël.
Et en plus, vous aurez plein de renseignements sur notre Coco d'Alola. Et les pichots, vous savez, Pokémon Go, ce n'est pas terminé. Il reste encore Pokéball Chance. Alors les pichots, à bientôt.